tourne présentement un long métrage qui a débuté l'an passé, puis on est sur nos derniers jours de tournage. En fait, il en reste seulement 3. Mon film est un film indépendant à 100%. Donc, quand on était rendu à l'étape de la pré-production, qu'on s'est rendu compte que, on avait peut-être un peu besoin de plus de sous, mais pas pour faire le film au complet, mais seulement pour des petites parties, que ce soit voyage et tout, on a décidé d'aller vers l'Internet, justement, afin de trouver les fonds. Puis, on avait pensé à des sites tels Indiegogo, Kickstarter et tout. Dans mon cas, j'étais sur Indiegogo. Puis, ce qui était bien avec ça, c'est que ça devenait plus un projet personnel, ça devenait un projet commun dans le sens où ce que les gens donnaient des sous s'ils voulaient bien, ça donnait un film ou des bonus ou plein de trucs comme ça, mais ça leur permettait aussi de participer d'une manière au tournage, de devenir coproducteur aussi. C'était devenu un projet comme de communauté. On voit une nouvelle essence maintenant dans le monde de l'Internet et tout. Puis même si on veut faire un lien avec tout ce qui est le open source, ça devient un truc d'entraide puis de communauté, de partage, puis c'est là que ça devient vraiment bien. Aujourd'hui, on était en train de tourner une scène dans une firme de sécurité informatique. Puis c'est ça, à partir de là, on avait besoin d'un bureau, d'où notre coordonnatrice a fait affaire avec des membres de la SAT qui nous ont conseillé justement savoir faire Linux. Je suis venu faire la visite technique, puis ça fitait parfaitement avec ce que moi j'avais besoin pour la scène. Le design est très beau, c'est des planchers de bois franc, puis c'est des plafonds hauts, un peu loft si on veut, mur de briques, donc à la caméra, c'est vraiment super beau. Ça, c'est bien d'une part, mais d'autant plus, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était que ce soit à air ouvert, donc que les gens puissent se parler et tout, parce que dans le film, les gens, justement, se parlent, ils viennent aller au bureau et tout, donc on est comme dans notre ambiance fermée, mais quand même accès avec les autres. Puis de l'autre part, j'avais besoin que les patrons, les personnes qui avaient des bureaux fermés soient quand même visibles. Je ne sais pas si c'est les patrons, mais il y a plein de bureaux, justement, fermés, mais quand même qu'on peut voir ce qu'ils font. Puis c'est grand, il y a de la place, donc c'est vraiment ça. L'éclairage aussi, il y a de la lumière partout qui entre, donc c'est vraiment à partir de là que j'ai fait « OK, je pense que c'est la bonne place ».